Nous sommes à l'Anneau Bleu à Monaco et ce soir et pendant 3 jours, nous allons nous régaler. Ça sera un peu comme si on était à La Réunion. Mehdi Gerville, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, fatigué parce qu'il fait chaud quand même, hein, le voyage, tout ça, voilà quoi. Mais ça va. Alors, effectivement, sur votre Facebook, vous avez annoncé votre concert ici. Ouais. À Monaco, il y a du monde même ici sur la Côte d'Azur hein, qui vous suit. Oui, il y a des gens qui sont pas très loin et qui me demandent si je peux pas jouer à Nice, mais sinon ouais, on joue à Monaco, c'est pas très loin quand même. Même nous, on est sur Nice, donc voilà. Est-ce que vous vous sentez un peu comme l'ambassadeur de la musique réunionnaise, jazz réunionnaise, on va dire? Oh, ben comme je me sens ambassadeur de la musique réunionnaise, comme un peu tous les artistes réunionnais qui s'exportent. Ben, on a, je pense à tous mes autres copains là, que ce soit David Sicard, Daniel Waro, Baster, Gilbert, enfin tout le monde quoi, qui bouge pour faire exporter la musique réunionnaise. Et voilà, je pense qu'on a un peu cette mission de faire découvrir la Réunion à travers notre musique, nos voyages et nos rencontres. Donc c'est super important. Et là, c'est vrai qu'on est bien accueillis avec un pote qui est batteur, qui s'appelle Nicolas Vicaro, qui joue avec moi ce soir et qui m'a sauvé la mise à un concert à Montpellier une fois. Et voilà, on revient jouer avec lui et c'est un plaisir quoi. Voilà. Alors qu'est-ce que vous allez amener ici, Mehdi Gerville? Mon cayam et mon, mon arlon. Alors, ce sera des extraits de votre dernier album? Oui, on va jouer essentiellement le dernier album, mais aussi des extraits de chaque album. Il y en a 6 au total. Donc, du premier Rain Island en 97, en passant par Jazzoya en 2000, et 2003, Se battre avec l'amour, et 2006, pardon, Tipa Tipanale et Jazz à moi, et en 2008, Faut qu'on me la vie. Voilà. C'est un passage obligé, le créole, pour vous? Ah, ça l'est obligé, ça il faut aller là, et les dans mes chansons toutes quoi. Non, ben, je chante en créole et je chante en français aussi, en anglais de temps en temps. Ben voilà, c'est surtout créole que je défends parce que c'est un peu ma... C'est pas un peu, c'est ma langue maternelle. Alors, vous êtes pianiste et chanteur, oui. Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre chez vous ou c'est venu progressivement? Ça peut être, il y a des chansons qui sont... Non, enfin, ouais, c'est vrai que je suis souvent au piano même quand je chante. Il y a des petits passages comme ça où je lâche le clavier pour chanter seulement, mais ça dure pas longtemps, c'est vrai. Mais en général, je suis, on va dire, tout en piano et au chant de temps à autre. Mais bon, ça dépend du répertoire. Mais là, ce soir, ça va être varié, quoi. Ça va être piano, chant, chant, piano, piano, chant. Beaucoup de créations aussi. Ah, mais que des créations à 98% quand même. Ouais. Il y a quelques reprises, mais c'est vraiment rare. Où vous puisez votre inspiration, Mehdi Gerville, justement? Que des créations? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans ces morceaux? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Je calcule pas trop en fait ce que je fais, c'est que je suis inspiré comme ça, mais c'est vrai que naturellement, ce qui en découle, c'est le maloya, la musique traditionnelle de La Réunion, mélangée au jazz, parce que j'ai eu cette formation de jazz à Paris à l'âge de 18 ans, quand je suis venu faire mes études pendant 3 ans à Paris. Mais sinon, c'est mon île, là où je suis né, où je respire le Sega, le Maloya. Donc voilà, c'est cette musique-là qui ressort. En fait, tous les rythmes qu'il y a dans mes chansons sont basés sur les rythmes traditionnels du Maloya. C'est-à-dire, après, c'est des rythmes un peu développés, parce que dans le jazz, on aime bien faire des recherches, s'inspirer, enrichir un peu tous ces rythmes-là. Mais c'est vrai que la base, elle est toujours... Voilà, c'est ça, quoi. Ouais, qu'est-ce que c'est le maloya? C'est quoi? C'est un temps à combien de temps? Enfin, comment? C'est musique traditionnelle basée sur généralement exclusivement sur les instruments de percussion en fait, que des percussions et la voix. Donc et c'est une musique souvent ternaire. Il y a aussi du binaire, mais c'est souvent ternaire, ce qu'on appelle le 6-8 ou le 12-8. Et voilà quoi, donc c'est basé vraiment. Pourquoi ternaire? C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis 9, 10, 11, 12, 1. Donc voilà, c'est une musique comme ça, qui se compte comme ça, on l'appelle comme ça. Mais nous, quand on le joue à La Réunion, on ne pense pas à tout ça. Hein. C'est, on le chante, on le joue, voilà, c'est tout. C'est pas... Vous le dansez aussi? Oui, il y a la danse aussi. Moi, je ne suis pas danseur, mais c'est une musique qui se danse. On ne peut pas avoir une petite démo? Ah non!
On est sur Monaco et tout, faut pas. Et sinon, au niveau des paroles, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qu'on raconte? Bah, ça dépend des thèmes abordés dans les chansons. Je parle, il y a des chansons que j'ai écrites qui me touchent particulièrement. Enfin, le thème, c'est la famille, ma fille, mon garçon, les parents. Des thèmes comme ça, des chansons que j'ai écrites contre la guerre dans le monde, tout ça. Donc il y a ce côté-là, il y a le côté, le thème un peu de l'espoir. Enfin voilà, ça dépend des chansons, quoi. Donc j'explique un petit peu tout ça en concert. Et c'est pour ça qu'il faut venir au concert. Vos projets? Alors il y a ce dernier album qui s'appelle Faucon de la vie, avec lequel on tourne actuellement. Les projets, c'est un nouvel album qu'on enregistrera cette année, sûrement pour sortir l'année prochaine. Donc voilà. Et puis d'autres tournées de prévues, d'autres dates, et que la vie continue. Midi Gerville, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi.